Est-ce que n'importe quelle personne peut se soumettre à un test du polygraphe? En règle générale, si vous avez un âge légal, c'est-à-dire 18 ans ou plus, si vous avez une condition mentale et physique stable, et si vous vous soumettez de façon volontaire à un test du polygraphe, il n'y a aucun inconvénient à faire un test du polygraphe. Cependant, il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des personnes qui ont une certaine condition qui peuvent faire que réaliser un test du polygraphe soit difficile ou impossible. Par exemple, les personnes qui ont un certain retard mental ou des personnes qui souffrent de troubles mentaux qui font que fonctionner dans la société soit impossible ou très difficile. Ou des personnes majeures qui ne sont légalement pas habilitées à conclure des contrats. Ensuite, il peut y avoir des cas dans lesquels le technicien du polygraphe ou l'entreprise du technicien du polygraphe ne veut pas faire des tests parce qu'il y a pourrait y avoir une situation éthique, professionnelle, économique qui ne les empêche, l'empêche au technicien, à la technicienne de réaliser un test. Comme par exemple, la personne examinée est une personne connue du technicien ou de la technicienne. Que le technicien dépend économiquement de la personne examinée ou du résultat du test, qui est un conflit d'intérêts. Ou que le technicien, par exemple, ne se sent pas à l'aise avec un sujet du test, qu'il ait des problèmes à analyser ou faire des tests sur un sujet spécifique. Donc, dans 90% des cas, il n'y a normalement pas de problème pour faire un test du polygraphe, mais il peut y avoir des situations où le technicien décide de ne pas faire les tests pour des raisons éthiques, de santé ou légales. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre métier, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal. Et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez! Souscrivez!